Salut tout le monde, nous sommes à Marseille, à l'Orange Vélodrome pour être précis. Benjamin Da Silva donc et Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match du foot comme on l'aime au menu avec cette rencontre de Ligue 1 Uber Eats. L'Olympique de Marseille affronte le PSG. Vous entendez les chants de supporters, l'odeur de la pelouse, la boule qui serre les ventres avant un match. Voilà, c'est ça le football. C'est parti, le coup d'envoi de cette rencontre donnée par l'Olympique de Marseille. La composition de l'OM, gardien de but Paulo Lopez, Renan Lodi avec Jonathan Clauss dans les couloirs. Ah oui, le bon ballon, regardez! Oh là là, grosse occasion manquée sur ce ballon en profondeur. Aucune difficulté pour le gardien, il y avait vraiment mieux à faire quand même. Oui, faute, mais l'arbitre laisse l'avantage au PSG. Allez, le PSG qui tente de porter le danger. Ah, Dembélé le tire. Eh oui, le danger qui est écarté. Un corner qui est bien ajusté. Oh, c'est contré. Et ballon dans la profondeur. La grande attraction de ce match, c'est évidemment Kylian Mbappé. On va suivre de très près ce que le Français va réaliser. On le sait, son dernier geste toujours très naturel. Il y a toujours cette simplicité au moment de rentrer dans la surface. J'admire ses qualités de finition. Toujours bien placé, toujours sur la trajectoire du ballon. Ismaïl Assar. Faute, mais l'arbitre laisse jouer. Avantage. Et ça joue sur Amin Harit. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Et ça joue sur Kolo Muani. Attention là, Kolo Muani. Le premier but du match. La domination récompensée. Voilà le premier but mérité. Quelle contre-attaque! Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Vitinha, ah, il faut lui proposer des solutions là. Oui, bien fait ça. Oh mais quel sauvetage, Paulo Lopez. Corner. Voilà qui est bien défendu, c'est bien joué. Avantage laissé à part. Ouh, l'arbitre qui siffle la faute et ça donne un coup franc très bien placé. Oh, le tir de loin. Les joueurs du PSG qui obtiennent ce corner. L'occasion de creuser l'écart, peut-être. Ballon dans la surface. Ah, et le pressing est efficace, là. Ah, il va essayer de surprendre le gardien. Et finalement, aucun problème, là, pour le gardien. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Et il vient fixer dans l'axe. Oh là 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 là
ce but qui vient de nulle part, une frappe hallucinante qui transperce les filets. Quelle frappasse! Il y a tout qui est sorti dans cette frappe. La force, la détermination, même le stade. Et deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Ousmane Dembélé. Kondogbia. Et ça joue sur Renan Lodi. Une minute de temps additionnel. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Et il n'y a quasiment que des points positifs à souligner dans la performance d'Ousmane Dembélé. Et oui, défendre sur lui, ça te rend fébrile. Parce qu'il apparaît même quand tu ne l'attends pas. Il peut marquer à tout moment. Paris fait la course en tête, c'est reparti dans cette rencontre. Très bonne intervention, sans faute. Hakimi, projection à l'avant pour le PSG. Le ballon pour Kylian Mbappé. Le coup franc est accordé parce que l'arbitre a vu la faute. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Harit. Aubameyang. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Vitinha. Avec Kylian Mbappé. Ah, il peut frapper Kylian Mbappé. Bonne intervention du gardien. Ah, ça corner bien joué, bien frappé. Eh oui, le tir. Intervention facile pour Paulo Lopez. Offensivement, le Paris Saint-Germain interprète une partition idéale. Tout y est. C'est une symphonie de buts et de jeux offensifs. Voilà, super pour mystifier l'adversaire. Le ballon pour Hakimi. Et le gardien était bien vigilant. Ah, il est bien frappé ce corner. Ouais, c'est bien joué. Quelle claquette. C'est un nouveau corner à jouer. Et c'est le but. Un de plus. Les voilà avec 3 buts d'avance. Les voilà en train de s'échapper vers la victoire. Au ralenti qui nous remontre le corner très bien tiré. Il y a beaucoup de monde à la tombée du ballon. À la conclusion, ça termine sur la tête et ça vient se loger au fond des filets. C'est reparti dans ce match, ça se passe très bien pour Paris. À plus d'avance désormais. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Excellente intervention, ballon repris à l'adversaire. Avec Kylian Mbappé. Il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus. En bonne position pour frapper. Incroyable, ça heurte le montant, mais ça sort. Quand on dit cadrer, ça veut dire de la mettre dans le cadre, pas sur le cadre. Et ce ballon qui est perdu. Des solutions en attaque là. Attention à cette passe.
Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. Ugarte. Vitinha. Pressing haut sur le terrain. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Les supporters qui expriment leur frustration devant la défaite, mais aussi et surtout devant l'attitude de leur équipe. Quand on les voit, franchement, on les comprend. Et voilà, l'arbitre siffle la fin de la rencontre. C'est une victoire pour le Paris Saint-Germain. Toute l'équipe a mis de l'énergie et de l'ambition pour remporter ce match. C'est une victoire largement méritée. Doit être ravi de voir le niveau de sa performance aujourd'hui. Quand on repense à sa performance, tout est plutôt bien passé. C'est un bon match de sa part et de toute l'équipe. Il y a encore de la marge, mais c'est déjà pas mal.